Chers frères et sœurs, que la paix qui nous vient du Seigneur soit avec vous. La nuit est avancée et déjà le jour approche, puisque bientôt naîtra pour nous le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Chers amis, en tous nos besoins, invoquons sans crainte notre Seigneur qui est fidèle et très bon, lui dont la venue fut annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament au peuple d'Israël, et qui, en venant dans le monde, apporte l'espérance du salut promis aux hommes de bonne volonté. Préparons-lui donc en notre cœur une demeure digne de son amour, en accomplissant au jour le jour tout ce qui lui plaît, avec joie, sérénité et empressement. Venez, divin Messie, venez. Bonne prière. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. J'ai fait une alliance. J'ai
J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur. Et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie. Fier de ton juste pouvoir. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu Saint d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La nuit est avancée, déjà le jour approche. Que se dévore nos cœurs, le soleil de justice. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. Pleine de grâce, gloire
est avec toi. Marie, pleine de grâce. Brillante aurore du salut, Vierge Marie, tu donnes le jour au soleil de justice, passe d'en haut, qui vient nous visiter. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'allégresse, prions le Seigneur qui s'est humilié pour nous. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Ô Emmanuel, venu renouveler le monde, purifie nos âmes et nos corps. Seigneur, exauce-nous. Dans le mystère de ton incarnation, tu nous appelles tes frères. Garde-nous d'écouter d'autres voix que la tienne. Seigneur, exauce-nous. Accorde-nous d'accueillir pleinement ton salut, que ton jugement soit notre délivrance. Seigneur, exauce-nous. Ton pardon généreux est de chaque instant. Laisse-nous espérer la gloire sans fin. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions nos frères qui sont morts, qu'ils vivent de toi pour toujours. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions. En suppliant le Seigneur, le Dieu de la paix, qu'il vienne visiter et transformer notre cœur. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur, nous sommes des serviteurs indignes de toi, et nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie. Donne-nous cependant de trouver notre joie dans la naissance de ton Fils, car il vient pour nous sauver. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la paix, nous bénisse et nous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Venez, venez, venez.